Une épicerie sociale ouvre à Gujan-Mestras. Ce jeudi 19 septembre, Épice et Bon ouvre ses portes dans les anciens locaux du Conservatoire de musique gujanais. On trouve à la fois des produits secs, des conserves, du produit frais, de la viande, des fruits, des légumes. C'est une véritable épicerie comme on peut en trouver partout. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de vente de produits de première nécessité, mais comme son nom l'indique, Épice et Bon, c'est bien plus qu'une épicerie. L'épicerie sociale ne se résume pas à des étagères avec des produits, il y a un accompagnement qui est fait des personnes qui se trouvent en difficulté, d'une manière souvent temporaire, un accompagnement par des agents du CCAS à reconstruire un projet. Ce dispositif vient en complément de l'aide alimentaire proposée une fois par semaine dans les mêmes locaux que l'épicerie. En fonction de la situation, on les dirige soit vers l'aide alimentaire qui a lieu chaque semaine, soit vers l'épicerie sociale. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est une gestion au cas par cas des personnes. Des ateliers de cuisine, de gestion de budget ou encore de prévention santé seront dispensés au sein de l'établissement. Vous savez, Gujan-Mestras, c'est une très belle ville, une ville touristique bien entendu. Il fait toujours beau à Gujan-Mestras, surtout aujourd'hui. Mais pour autant, on a des gens qui souffrent, qui sont en difficulté, qui ont perdu leur emploi. Souvent, c'est une précarité temporaire, mais on ne peut pas les laisser sur le bas-côté. Il faut vraiment qu'on accompagne ces gens-là. Les bénéficiaires potentiels doivent déposer un dossier auprès du CCAS.